Salut à toi mon viewer, tu souhaites soutenir ton youtubeur préféré mais tu n'en as pas les moyens? Alors rejoins-moi sur Gogbox, clique sur le lien disponible dans la description, télécharge une application, respecte les conditions et tu feras un don à ton youtubeur tout en t'amusant. Lien disponible dans la description, merci à tous ceux qui me soutiendront. Salut à tous et j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, après de longues semaines d'absence, je suis de retour sur ma chaîne YouTube. Donc je vais sortir un maximum de vidéos maintenant. Je pense au moins une vidéo tous les deux jours, ça je vous le promets, voir une vidéo par jour si je peux. Je pense que je peux le faire et j'aimerais bien, parce que j'aimerais bien faire avancer la chaîne, proposer de nouvelles séries, de nouveaux concepts, etc. Même si c'est un peu la finie sur le FIFA 17. Et même si, bien sûr, je n'ai plus mon compte principal parce que je me suis fait bloquer à cause d'un transfert de crédit. Voilà, je me suis recréé un compte, Yaya 25. Voilà, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi il y a 25. Mais en tout cas, dans cette vidéo, pour mon retour sur ma chaîne YouTube, on va tout simplement lancer FUT Champion, mais pas avec n'importe quelle équipe, les gars, comme vous l'avez vu dans le titre. Donc, je me suis qualifié hier pour FUT Champion, et donc, on a 40 essais, bien sûr, vu que c'est mon nouveau compte, c'est mon premier FUT Champion sur ce compte. Mais donc, voilà, je vais faire les petits trucs. Oui, je suis bien français, voilà, j'habite bien en France. Et donc, nous allons jouer avec l'équipe de Malherbe, l'équipe de Caen sur FUT Champion. Et oui les gars, comme vous le savez, je pense, je suis un youtubeur cané, on peut le dire ça comme ça. Voilà, je suis pour Caen, je suis pour Malherbe, j'habite près de Caen. J'ai le nouveau maillot, je me suis acheté le jour de sa sortie. Donc malheureusement le nouveau maillot n'est pas dans le jeu, mais voilà l'équipe avec laquelle on va jouer. J'ai pas pu prendre les versions boost de Santini et de Vercoot parce que Vercoot introuvable et Santini trop cher, c'était plus de 25 000 crédits pour un joueur qui va prendre un plus 2 de vitesse, non merci tu vois. Mais bon, on a une belle petite équipe, 4-3-1-2, mon dispositif préféré, avec des bons joueurs. On a une recrue dans cette équipe qui est voilà, du coup mon Gilbert il est recruté, mais voilà, il était déjà dans le jeu du côté de Caen avant. Donc on a Vercoot, pour ceux qui connaissent pas trop, donc Vercoot, Djikou, Gilbert, Da Silva, Imoru, Ferré, Nicolas Seub, la légende, il a pris sa traite, j'étais obligé de le faire jouer. On a de la place. Jeff Lui, c'est pour moi le joueur le plus cheaté du côté de Caen. Tout va se reposer un peu sur lui. En numéro 10 et en attaquant de pointe, Jérôme Hirondelin, MOTM, pour son but face à Paris Saint-Germain qui nous a maintenus. Et puis, en l'autre côté, on a Ivan Santini avec ses 46 de vitesse. Très très lent, mais très grand et très fort, je trouve, en vrai en tout cas. Sur le banc, on a donc Relais, Genevois, Dabo, Diomandé, Bessa, Peter, sa nouvelle recrue, j'espère qu'il va faire du bien. On a Papsané qui est parti. Mais bon, voilà, c'est le seul avançant de cette équipe, à part les deux autres. Après, on a du Ben Youssef, Sanko, Adeoti, Malbranc, Basile. Donc tout ça, les gars, juste pour vous dire, je vais faire, je pense, entre 2 et 3 matchs dans cette vidéo. On va voir comment ça va se passer. J'espère au moins en gagner un. Je suis pas trop dégueulasse sur ce FIFA. Donc on sait jamais. On va tout de suite donc lancer un match. On va jouer avec les maillots de Caen, bien sûr, parce que voilà, on peut pas faire une vidéo sans les maillots de Caen. Si je joue avec Malherbe, voilà, je joue avec le maillot extérieur. Malheureusement c'est pas très beau, mais il est pas très beau celui-là, mais c'est pas grave. Donc on va voir l'équipe qui nous propose. Ok, il nous propose une équipe pas trop abusée, donc ça va encore. Il a du Baldé, Diao, Tots, donc ça va être la plus grosse carte de son équipe. Ensuite il y a Thauvin, il y a du Perrin SBC, du De Rossi Inform. Voilà, c'est pas une équipe incroyable. Bon, j'ai quand même vu qu'il y avait Butland et Smalling. On va se méfier, mais je pense qu'on peut peut-être faire un truc. Après ça dépendra son niveau, mais on peut peut-être faire un truc avec cette équipe de Malherbe. J'espère qu'en tout cas cette idée de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un masse de likes. Et c'est parti pour ce premier match. Bien sûr on se retrouve pour les meilleures actions. Attention, ça peut être dangereux. Voilà, Gilbert qui est là. Il n'y a pas faute, on récupère. Rodelin pour Santini. Santini, le 1-2 avec Rodelin. Ronny, qui passe lobé pour Santini. La reprise du mauvais pied, oh ça passe au-dessus, dommage. Première occasion, c'est nous qui l'avons. Et je pense qu'on peut faire un truc dans ce match. Allez, toujours il l'a toujours, il résiste au duel. Allez Julien Ferré, t'es l'homme fort de mon milieu de terrain. Tu peux maîtriser. La belle passe pour Santini, la belle passe pour Rodelin. Le décalage pour Jonathan, de la place, il croise. Et putain, c'est pas dedans, c'est contré. Comme en vrai, Rodelin a réussi de la place qui finit jamais ses actions. Mais voilà, bon, on a une deuxième occasion. Je pense qu'on peut commencer, on peut espérer une victoire. Allez, un petit corner au premier poteau. C'est Ronny qui la prend et c'est l'arrêt de Butland. On commence bien ce match, on commence bien. On va jouer à deux celui-là. Avec Jonathan de la place. Tu l'as vu, Ronny. Ronny, on peut jouer.
Da Silva. Santini qui récupère. Santini, le poteau, ça veut pas rentrer, les gars, c'est dommage. Ça va finir par rentrer, c'est pas possible. On domine. C'est la mi-temps, les gars, c'est la mi-temps. On domine ce match, on a eu les plus grosses occasions. Malheureusement, c'est pas rentré. On a loupé deux face à face. On a fait un poteau. On n'a pas eu vraiment de chance pour l'instant, mais je pense que ça peut tourner. Et puis bon, ça va finir par rentrer, les gars. On peut gagner ce match et je vais le faire. Allez, on est parti pour la deuxième mi-temps. Oh, ça est passé, ça, c'est pas normal que ça soit passé. Allez, putain, Gilbert, reviens. Oh oui, Rémi, il la sort face à la casette. Bien joué, mon cher, bien joué. Mais c'est attention, ça commence à être dangereux, là. Je touche plus le ballon depuis le début de la seconde mi-temps. Ça commence à être dangereux. Il faut que je remette les pieds dessus. Ivan, une belle passe, voilà, pour Rodelin. Rodelin pour Ivan. La grosse frappe d'Ivan Santini. La grosse frappe d'Ivan Santini, les gars. 1-0. C'est Ivan, de son mauvais pied du pied gauche, qui nous délivre en frappe en pleine lucarne. C'est magnifique. C'est pas la frappe que je voulais faire. Je voulais bien sûr faire un extérieur du pied, mais il a décidé de frapper du gauche. Et moi, je dis pas non face à ce genre de frappe en pleine lucarne. Ivan Santini, 1-0 sur Fut Champion avec l'équipe de Caen. C'est n'importe quoi, mais c'est bien réel, les gars. Allez, maintenant, faut tenir et puis marquer un deuxième. Je pense qu'on peut largement le faire. Voilà, bien joué. En bas, en haut. Oui, il est passé. Jeffrey, la frappe croisée, putain, c'est encore sorti. On a vraiment des soucis de finition, par contre. C'est un peu malheureux, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Attention, la casette, il est parti. Oh, c'est bon, il tire à côté. Il commence à être tendu, là, au niveau de la défense. Il est parti. On remet. Oh, c'est magnifique. On remet. En retrait. En retrait. Dessus. Oui. Oui, les gars, le 2-0 par Jeff Louis. L'action est magnifique. Oh, c'est beau. J'ai dû faire une petite, j'ai dû faire au moins 5-6 passes dans la surface pour le décalage. Jeff Louis qui efface, qui frappe de son mauvais pied. Et ça rentre. 2-0 à la 83e minute. Le match est plié, les gars. On va remporter ce premier match. C'est incroyable. Allez, c'est pas fini. On va peut-être pouvoir en mettre d'autres en plus. Non, pas tout de suite, en tout cas. Attention. Oh là là, il frappe à côté. C'est la fin de ce match, les amis. Premier match avec Malherbe sur Fut Champion. Et on remporte ce match 2-0. Voilà, on a archi dominé les débats. Pour moi, je mérite largement la victoire. Jeff Louis et Santini ont fait le taf. On a marqué 2 buts. On aurait pu en marquer plein d'autres. Mais en tout cas, on a gagné ce match. Et puis ensuite, on va se retrouver, les amis, pour le deuxième match de cette vidéo. J'ai un peu mal aux yeux. Et c'est pas grave, parce qu'on va se retrouver tout de suite. Bon les amis, pour ce deuxième match, j'ai décidé de réaliser quelques petits changements. J'ai mis Baïssa Sanko en défenseur droit, même si voilà, il a des stats encore plus minables que Djikou. Et voilà, j'avais envie de le tester. Ensuite, j'ai mis Steph Peters en MOC, parce que j'ai envie également de les tester, même si voilà, j'ai déjà joué un peu avec. Et puis bien sûr, Pape Sané en pointe, un joueur un peu plus rapide que Santini, pour le tester également. On verra bien ce que ça donne sur Fut Champion. Le reste de l'équipe, c'est toujours la même chose. En tout cas, on va lancer un deuxième match, j'espère. Aussi, également, si je pouvais également le gagner, c'est très magnifique. Mais déjà, j'ai rempli mon objectif, enfin, gagner un match sur Fut Champion avec une équipe à 3,5 étoiles, c'est vraiment déjà pas mal, vous pouvez le dire. Et puis, bon, voilà, on va affronter, donc on a lancé le match. Qu'est-ce que cette équipe, ce joueur va nous proposer? Ok, il nous propose une plus belle équipe que tout à l'heure. Avec El Shaarawy, Muriel, Sané, Nainggolan, Yaya Touré et Chaldi. Après, la défense est basique. Voilà, une belle équipe quoi, une belle petite hybride série à PPL, on verra ce que ça donne. On est parti les amis, c'est pas une équipe énorme non plus, ça peut peut-être le faire. Oui. Sané. Oh, il tire à côté, première occasion pour moi dans ce match. Et c'est Pape Sané qui tire juste un côté, bon c'était compliqué à la mettre, j'avoue, mais bon. Oui. Oui. Allez, Pape Sané. Pape Sané. La frappe. Ah, l'arrêt de Butland. L'arrêt de Butland. On va tenter un corner dans le paquet, tiens. Allez. Da Silva, la tête, peut-être. Oh, ça revient. Sur Gilbert. La frappe. Oh, c'est l'arrêt encore de Butland. On commence à pousser, là, juste avant la mi-temps.
Bien sûr, c'est la mi-temps, les gars. Donc, on commence à pousser là. Bon, le match est beaucoup plus serré que tout à l'heure. Le mec est plus fort. Mais voilà, on défend très bien. Et on a eu trois occasions. Malheureusement, c'est des frappes sur le gardien ou à côté. On n'a pas réussi à vraiment le mettre encore en danger. Donc voilà, on va espérer faire une bonne deuxième mi-temps. Je peux encore hausser mon niveau de jeu, je pense. Et puis, on peut espérer gagner. Hein. On a largement de quoi faire. On est parti, les amis, pour la meilleure deuxième mi-temps. Let's go, les gars. Attention. Oh, voilà, Rémi Vercoute qui nous sort l'arrêt à la 48e minute. C'est pas mal, ça fait plaisir. Il est présent aussi, notre Rémi. Ça peut être dangereux, là. Ça peut être très dangereux, là. Non. Oui. Oh, ça rentre pas. Bien joué, Vercoute. Bien joué, Moru, qui a suivi. Attention, c'est dangereux, là. C'est beaucoup plus rapide. C'est dangereux. Vercoute, il la sort encore. Heureusement qu'on a Vercoute dans ce match. Pour l'instant, il nous sort trois grosses parades. Ah là là. Allez, les gars, prolongation. On va rester comme ça. Est-ce que j'ai 2-3 changements à faire? Je peux faire rentrer. Ouais, j'ai pas grand chose à faire rentrer parce que tout simplement, Santini et lui, ils sont assez fatigués. Donc, je les ferai rentrer si vraiment on galère. Pour l'instant, on va rester comme ça. On peut peut-être arracher la victoire. On domine. Mais malheureusement, il nous manque de finition et on a du mal à toucher le ballon. Allez, il nous reste 30 minutes avant les tirs au but pour essayer de faire la différence. C'est dur. Franchement, là, c'est dur ce match. C'est vraiment dur comme match. Allez, on peut le faire. Allez, Rooney. En retrait. Pour de la place. Bessa. De la place. Bessa qui se retrouve tout seul face au gardien. Et Bessa qui ouvre le score à la 98e minute, les gars. Ça fait plaisir. Vincent Bessa, il est rentré. Il a fait son taf, là. Le petit une-deux de la place, ça fait plaisir. Et on trouve enfin l'ouverture du score dans ce match. La l'une-deux parfait. La finition, elle est parfaite également. 1-0 pour nous. Yes, ça fait du bien. Parce qu'on dominait, on dominait. J'avais peur de perdre quand même. Parce qu'il a eu quelques occasions en compte. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, mais en tout cas, on est bien parti. Bon bah les gars, je crois que j'ai l'impression que le mec ne joue tout simplement plus. Donc franchement, moi je m'en fous. Et je vais marquer le deuxième. Parce qu'on sait jamais. Si je peux marquer le deuxième. Je marquerai le deuxième s'il y a. Et puis de toute façon, si je joue pas, les gars, on va se retrouver hein, tout simplement pour un troisième match. Parce que ça sert pas à grand chose de vous montrer des actions face à un joueur qui n'est pas là. Bon les gars, le match est fini. Donc victoire 2-0. Voilà, j'ai gagné 1-0. Le mec ne jouait plus, du coup j'ai marqué le deuxième. Pour assurer, voilà, victoire 2-0 tranquillement, on a dominé ce match, on mérite de gagner, et en tout cas, on arrive à gagner nos deux premiers matchs au FIFA Champion avec Malherbe. On va enchaîner, les gars, donc, pour un troisième match dans cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous plaît. On va se retrouver, donc, pour le troisième match. Je vais remettre l'équipe A. Donc, je vais remettre des contrats, etc. Je vais remettre la grosse équipe avec Ivan, avec Jiku et Jeff Louis, et puis on se retrouve, les gars, pour le troisième match. Bon les amis, on a trouvé notre troisième adversaire pour ce match. Il nous propose une équipe énormissime, on peut le dire. Bon bien sûr, il y a Coman qui est en version normale, on va dire, et Walker, mais le reste, il y a du Griezmann rouge, du Dembélé rouge. J'ai vu du Pogba OTW, j'ai vu du Nacho Fernandez Tots. Donc c'est un mec qui joue très très bien au jeu. Après j'ai pas tout vu, mais bon je pense qu'il a une équipe très 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 forte. J'ai vu le Butland aussi, Futis et Smalling Futis. Donc ça va être compliqué les gars. Mais si j'arrive à gagner, ce serait énorme. Donc les gars, on est parti. On va se concentrer pour ce match. Et on se retrouve pour les meilleures actions. Ivan, la première frappe. Oh les gars, on ouvre le score. Troisième minute de jeu. Encore un long shoot d'Ivan Santini. Mais ce joueur est exceptionnel, les gars. Il a 46 de vitesse, mais testez-le. Juste pour sa frappe. C'est magique. À Butland 86, qui serait bien le meilleur gardien de ce jeu. Regardez-moi ça. Il se retrouve tout seul. Il se met en position de frappe à 25 mètres. La frappe, pleine lucarne, voire petite barre entrante. Ivan Santini, quatrième minute de jeu. On ouvre le score face à une équipe énormissime. Ouh les gars, je sens qu'on va pouvoir le faire. Et si on le fait les gars, je veux que chaque personne qui regarde cette vidéo lâche un pouce bleu. Je veux juste ça les gars. Maximum de pouces bleus.
Oh oui, tu l'as vu l'appel. Ivan, l'enroulé d'Ivan. L'enroulé d'Ivan Santini, mais ce jour est extraordinaire, les gars. Il est extraordinaire, l'enroulé à 20 mètres de la cage de Butland Fitties. Et cette fois-ci, il nous la met encore, mais en enroulé, encore en lucarne. C'est magnifique, ce jeu. Regardez-moi cette frappe splendide, petit filet même. Ça fait 2-0 à la 38e minute, doublé d'Ivan Santini sur deux frappes de loin. Pff, je l'aime. Mais les gars, je l'aime. On récupère. Oh! Oh non, non, t'as fait une connerie. Oh là là, Rémi Vercoute toujours présent. Deux. La frappe est splendide. En plus, je crois que c'est son mauvais pied, si je me trompe pas. Mais bon, premier but pris dans cette vidéo. C'est par Jonathan Vieira. Ouais, mais tant pis. Juste avant la mi-temps, c'est pas terrible. Voilà, c'est la mi-temps. Mais bon, pas se cacher, ça fait 2-1 pour nous, les gars. On gagne 2-1 face à une équipe incroyable. Il faut se le dire, doublé d'Ivan Santini. On domine dans ce match. Et les gars, rien que pour ça, lâchez un max de likes. Un gros pouce bleu, objectif 50, les gars. Objectif 50, je sais que vous en êtes capable. Maximum de pouces bleus, les amis, pour cette vidéo énorme. Voilà, juste ça, les gars, on va peut-être pouvoir enchaîner 3 victoires en fut championne avec l'équipe de Caen et contre, cette fois-ci, une équipe énormissime. Ça serait tellement du très très lourd, les gars. Franchement, un maximum de pouces bleus, il me reste une mi-temps pour tenir le score. Et j'ai confiance en vous, les gars, je sais que vous êtes avec moi. Oui, oh, l'action est magnifique, si ça rentre, les gars. Non, bien sûr, je vous dis ça, un gars à la mauvaise passe. C'est pas fini. Celle-là aussi, ça rentre, c'est magnifique. Celle-là, si oui, ça... Et franchement, si je me fais égaliser, les gars, j'aurais tellement le seum, parce que ce match, je l'archidomine, là. En deuxième mi-temps, là, depuis la 60e minute, il touche plus le ballon, le mec. On fait quoi? Moi, j'ai envie de tenter ça, mais... Petite combinaison. Yes, les gars, on l'a fait. Victoire 3-1. On a marqué enfin le troisième à la dernière minute sur une action collective remarquable. Un coup franc magnifique. Une combinaison extrêmement magnifique. Je n'ai pas d'autres mots pour se qualifier ce match, les gars. C'est beau. C'est beau, les gars. C'est fini. On l'a fait, les gars. On a joué 3 matchs sur FUT Championnat avec l'équipe de Caen. On a gagné nos 3 matchs. Et ce 3e match, ça a été contre une équipe extraordinaire. Donc, les gars, je veux un maximum de likes sur cette vidéo. Chaque personne qui regarde, je veux que vous likez. Un objectif de 50 likes, les gars, pour mon retour sur YouTube également. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci aux chaînes communautaires qui m'uploaderont parce que cette vidéo est juste magique. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres épisodes avec d'autres équipes, je sais pas, de Ligue 2, de Ligue 1, des petites équipes, bien sûr. Moi, bien sûr, j'ai pris Malherbe parce que c'est mon club de cœur, comme vous le savez, les gars. Vous le voyez pas bien, d'ailleurs, là, vous voyez bien les cuissons. Mais voilà, 3 victoires en 3 matchs, c'est incroyable, surtout qu'on des grosses équipes, surtout la dernière, les gars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un masse de likes et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. C'est Yaya, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux également. Bye tout le monde, les gens.